va pas tarder à démarrer le sentier et on va rentrer plus là dans une démarche de rentrer dans un milieu naturel qui est quand même un espace protégé et dans lequel il faut avoir un comportement un peu respectueux de l'environnement. Comme elle n'est plus alimentée, elle ne fait plus la photosynthèse. Et donc du coup, la photosynthèse, c'est ce qui fait la couleur verte, avec la chlorophylle. Et donc dès que la photosynthèse s'arrête, plus de chlorophylle, donc le vert disparaît. Et ça sèche progressivement sur pied. Et après, au moment donné, à l'endroit où il y a cette vanne, eh bien, c'est là où ça fait clac, et la feuille tombe. Là, en fait, si tu regardes, tu as des branches. Tu vois, là, la fissure, là, Et donc, c'est là, normalement, oui. Tu dois avoir quelques branchages au... Ah ouais. Là, t'as un problème parce que t'as perdu ta chaussure. Oui. Oh, putain, elle a enfoncé. Alors, pourquoi t'es pieds nus? Ça va, t'es pas très planche. Et pourquoi tu veux pas monter là-haut? Déjà j'ai le vertige. Pourquoi moi je peux pas, j'ai le vertige. T'es fatigué? Déjà je regarde ça, ça me fait trop peur. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, comment c'est grand. Comment moi par rapport à tout ça, je suis petite, ça me fait peur. Ah, tu te sens petite? Oui. Bon, alors, je vous demande à tous d'ouvrir le petit carnet qui est là à la page 9. Où est-ce qu'on se regarde? Tu vois là où il y a les plantes tout en haut. Et bien là où il y a le plus gros, et bien sur la droite en montant vers la brume. Ok, vas-y, laisse-moi. Là où il y a le petit peigne avec un rocher blanc, ben il est au-dessus. D'accord. Oh ouais, c'est excellent. Je le vois bien à gauche. Et après, sur quelle commune on se trouve? Sur quelle commune on se trouve? Hey. Voilà. Et le 6, c'est la réserve naturelle. C'est un plantain. Et là, t'en as un autre, c'est un plantain. Ah, il est à la campagne. Plantain. Et t'es bien là, rando? Ouais. Et c'était beau, j'ai découvert la montagne et c'est bien. Je pensais pas qu'un truc bio pouvait être aussi bon. Ouais, voilà. Parce que même à la cantine, c'est pas... Ça fait longtemps que vous habitez à Aisne ?
J'ai 80 ans et il y a 80 ans que je me promène dans Aisne. Et c'est bien. Vous faisiez quoi comme métier? Agriculteur. Ah, vous étiez agriculteur. De veau confit. Voilà, donc ça c'est des essais qui vont passer à la dégustation. Vous habitez là depuis longtemps, madame? Ah, vous êtes ici? Là, l'idée, c'est qu'on peut utiliser tous les végétaux autour de nous, sans bien sûr arracher les arbres, ben, tout ça, quoi. Bien sûr, on prélève tranquillement des choses dans la nature, si possible au maximum au sol aussi. Voilà. Donc vous prenez ce qui vous inspire,